Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul Temu. Donc j'ai commandé le 18 août et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on est le samedi 19 août. Ça fait 9 jours. Donc, ouais, ça va. À part vendredi, je vais vous faire un haul Temu, mais quelqu'un m'a volé mon colis. Voilà. Donc, le postier l'a mis dans la boîte aux lettres et quelqu'un l'a volé. Donc, voilà, c'est pas très cool, mais bon. Bref. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous présenter 19 articles. Donc, c'est parti. J'essaye de prendre dans l'ordre que j'ai noté. Donc, on va commencer par ceci. Excusez-moi pour le. C'est un t-shirt loup que j'ai payé 10,79 €. Donc, espérons qu'ils ne sont pas trompés dans la taille, mais normalement, c'est ma taille. Donc voilà comment il se présente avec un visage de loup. Il est vraiment très très joli. Donc je vais voir c'est quoi la composition. Donc c'est 35% de polyester et 60% de coton. Oui, donc faut que je le lave à la main. Très bien. J'ai pris taille M et c'est la bonne taille. Taille M. Donc, je suis plutôt contente. Donc, il n'y a plus qu'à laver et puis à tester. Voici pour ça. Ensuite, j'ai pris. Où je les avais vus? Bon, sinon, on va le faire dans l'ordre, dans le désordre, parce que je ne trouve pas l'autre. Donc, on va prendre ça. Ça, c'est des démaquillants écologiques. C'est-à-dire, voilà, c'est. Vous le lavez et puis voilà, vous pouvez le réutiliser comme vous voulez. Donc, désolé pour le bruit du sachet. Donc, en plus, c'est dans un petit sachet pour pouvoir les laver correctement. Hop. Donc, je ne sais plus combien il y en a dedans. Mais on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a quand même 12. En tout, j'ai payé 4 € 4 centimes. C'est vraiment pas cher, je trouve. Ils sont vraiment bien. Voilà, c'est plus écologique. Parce que c'est vrai que toujours les cotons, on prend, on jette, c'est pas vraiment très très écologique. Que là, voilà, ça va me durer un petit peu plus longtemps. Ils sont vraiment très jolis. Vous avez du rose, rose, bleu ciel, du blanc et du gris avec le petit sac. Trop mignon. Donc, voici pour ceci. Ensuite, alors, faut faire très attention quand on lit quelque chose, parce que sinon, on l'a dans le baba. Parce que sur le titre, c'était marqué 5 paires masques pour les yeux. Donc, j'ai re-regardé, je suis bizarre, j'en ai que un. Et en fait, en dessous, c'est écrit en tout petit, un seul seulement, une pièce. Donc j'ai payé 99 centimes. C'est pour les yeux en fait, hein. Voilà, c'est pour remettre ici. Et je pensais qu'il y en avait 5, et en fait non. Donc il faut prendre votre temps de bien lire pour pas, bah voilà, qu'après quand vous commandez, vous pensez que vous en avez 5 et en fait vous n'en avez que 1.
Voilà, je vais tester ce que ça donne et si c'est bien, je vais en reprendre. Mais cette fois-ci, je ferai plus attention. J'en mettrai plusieurs dedans. Donc, après, vous avez ceci. Donc, ceci, c'est des patchs chauffants pour quand vous avez un mal en bas du dos. Apparemment, c'est chauffant. Je vais ouvrir avec vous pour voir ce que ça donne. Ah oui, ça sent fort les plantes, hein. Voilà, c'est comme ça en papier. Après, je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. Mais franchement, normalement, il y en a 5. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ok, il y en a 10. Moi, j'en avais pris 5. Et j'avais regardé dessus, c'était bien marqué 5. Ok, bon. En fait, il y en a 10. Il n'y en a pas 5. Mais ça sent fort, les plantes. Après, à tester, à voir si cela, ça fonctionne vraiment. Ou c'est de la gnognotte. Voilà. Mais bon, j'ai payé les 10. Attendez. Non, non. Non, c'est ça, c'est les 10, pardon. J'ai confondu avec un autre. C'est bien les 10 pièces, ouais. J'ai payé 1,34 €. On va voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Hein. Mais, je vous dirai, mais dans. Parce que j'attends une autre commande. Donc, je vous dirai, je vous reparlerai des patchs chauffants si c'est vraiment bien ou pas. Mais vu que c'est en tissu plastique, je suis pas sûre, mais bon. On verra bien. Ensuite. J'avais pris ceci. Ils sont où? Piu-piu-piu. Attendez, je cherche. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, il est là. Donc, c'est deux sacs. Voilà, donc j'ai eu un rose et un vert. J'ai pas choisi les couleurs, hein. C'est aléatoire. Deux sacs à fermeture cosmétique. Donc, je vais vous ouvrir celui-là. Pardon pour les oreilles. Ah ouais, c'est des petits. Hein. C'est vraiment des tout petits petits. Mais pour ce que je vais en faire, ça marche largement. Je vais vous montrer. Ah, ça sent fort le plastique. Voilà. Donc, ça va, vous avez quand même une bonne contenance. Hein. Ça avec une fermeture. Donc j'ai payé 99 centimes. Voilà, le petit sac. Donc à tester. Voilà. Avec la petite anse. C'est bien quand même, vous partez en voyage pour mettre votre brosse à dents, le shampoing et tout ça. C'est que. C'est quand même pratique. Donc celui-là, c'est le même. Alors ensuite, on va faire au pif. J'ai celui-là. Ça, c'est une boucle de tricot parce que moi, je fais aussi du coloriage Disney. Je fais aussi du point de croix et je fais aussi du crochet. Et c'est vrai que des fois, j'avais du mal à bien tendre le fil. Enfin, la laine, pardon. Donc j'ai décidé de me prendre un petit anneau qui se rentre pas. Bon, ça doit se rentrer. Bon, alors il rentre que là. Voilà. C'est un peu de ballot. Est-ce qu'on peut un peu l'élargir? Ah, c'est limite, limite, limite. Ah oui, d'accord. On peut. Ah, ok. On peut le mettre plus grand si on veut. Donc là, normalement, ça passe. Voilà. Donc, c'est plutôt joli, je trouve. Ah, c'est un pan. Donc, je vais tester pour voir si c'est bien ou pas. On verra bien. Et ces petits trucs, j'ai payé 97 centimes. Donc, c'est pas cher.
à tester si ça fonctionne bien. Hop. Ensuite, j'ai pris ça. Attendez, je cherche. Je cherche. Mais je l'ai mis où celui-là? Ah oui, il est là. Excusez-moi. Je l'ai payé. Alors, c'est un flacon de parfum rechargeable. Et je l'ai payé 1,07€. Donc, je voulais voir comment il fonctionnait pour mettre le parfum dedans. Donc, on va l'ouvrir. On prendrait du plastique. Donc, voilà. Là, vous avez le petit spray. Donc vu que là ça s'ouvre pas, ça se met pas par en bas. Je galère à l'ouvrir. Je sais pas comment l'ouvrir. Non, parce qu'on dirait que c'est bien fermé. Ou ça, ah oui, je crois que c'est par en. Voilà, c'est par là. C'est par ici. Voilà, c'est là où vous mettez le parfum. Donc, vous mettez, vous prenez un parfum, vous mettez ça. Donc, vous enlevez aussi l'autre partie du parfum. Et chla. Et voilà. C'est par là, ça s'enlève. Je vais tester tout à l'heure. Parce que sinon, la vidéo là va être trop grande. Donc voici ceci. J'ai payé, je sais pas si je vous ai dit le prix, 1,07€. Donc c'était pas cher. Ensuite, j'ai pris ceci. On va me dire, c'est quoi cette balle? Alors, c'est une balle de massage pour les mains et les pieds. Et j'ai payé 97 centimes. Donc, c'est rien du tout. Donc, c'est pour un peu vous détendre. Donc, la balle, elle est assez dure. Et vous faites comme ça. Et c'est vrai que ça fait plutôt du bien. Voilà. Même pour votre pied, quand vous avez trop marché, vous avez mal au pied, vous le mettez comme ça. Et voilà, vous vous roulez avec, c'est vrai que ça va faire du bien. Donc, voilà. Pour cette petite balle de massage mains et pieds. Alors, ensuite, j'ai pris ceci. Alors, vous avez deux petits bâtons avec. Voilà. Alors, ceci, c'est... Pardon, excusez-moi, je l'avais vu quelque part. Voilà, ici. Donc, c'était de l'eau de 2. Vous pouvez prendre un lot de 1, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai pris bleu et rose. Ça, c'est pour les accrocher. Donc, en fait, c'est pour c'est des petites lampes. Il faut mettre des petites piles, je pense. Et après, vous le suspendez en fait à votre plafond et ça vous fait une petite lampe. Donc les deux, j'ai payé 3,77€. Donc désolé pour vos oreilles. Alors bon, par contre c'est un prix un peu trop dans la caboche hein. J'essaye de bien la remettre. Oui, sauf que là, ça n'est rien à la vie. Donc là, vous avez un petit fil de pêche. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Pour accrocher au petit bâton. Comme ça, vous la suspendez.
Vous pouvez même l'accrocher directement au plafond. Donc, attendez, je la mets bien et je vous la montre. Après, je sais pas c'est quoi comme pile. Parce qu'apparemment, je sais pas. Voilà, c'est comme ceci en dessous. C'est là où vous avez le truc de lumière. Mais ah, d'accord. C'est des petites piles rondes, plates. Donc voilà comment c'est. Voilà. Et les lumières sont ici. Donc je vais tester ça. On verra bien ce que ça va donner. On voit tout le... tout ça. Bon voilà, je vais tester ça après et je vous redirai dans une prochaine vidéo si c'est bien ou si c'est nul. Ensuite, j'ai pris... je vais caler. J'ai pris ceci. Alors ça, c'est très bien quand on fait la cuisine parce qu'à chaque fois, moi, je sais pas où mettre ce repose ustensile. Donc, je mets toujours sur ma table. Après, c'est tout dégoûtant. C'est énervant. Donc, ceci, j'ai payé 99 centimes. Donc, désolé pour le bruit. On va prendre le ciseau. Donc, il n'est pas en plastique. Enfin, si, il est en plastique, mais pas souple, mais épais. Et on tape bien dessus. Donc, c'est parfait. Je peux mettre mon couvercle. Et là, je peux mettre mes ustensiles. Voilà. Donc, je fais un exemple avec mes ciseaux. Voilà. C'est nickel. Ça va changer ma vie parce que j'en ai vraiment marre. C'est hyper agaçant. Là, je suis contente parce que je pensais qu'il était en plastique et en fait, pas du tout. Il est en plastique dur, mais pas souple. Ça, j'adore. On va avoir pas de façon, ça va bien faire son boulot, hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai ceci. Alors, je me demande c'est quoi, mais je pense que ça doit être une statuette. J'espère qu'elle ne va pas atterrir en morceaux. Donc dans une petite boîte, plus un plastique au-dessus, plus du polystyrène. Voilà. Donc la petite minerie, plus un autre plastique au-dessus. Oh, elle est trop belle. Ah, oh, elle est magnifique. C'est un petit ange qui prie. Donc, cette petite minerie, je l'ai payée. Attendez, je cherche. Je l'ai payée 3,09 €. Et franchement, elle est très jolie. Je regarde si elle a bien tous les détails. On voit bien les petits pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle est vraiment magnifique. Regardez comment elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Ah, j'adore, elle est trop belle. Je suis trop contente. En plus, elle est arrivée bien protégée parce qu'elle est arrivée dans un petit sac. Plus le petit truc à bulle, plus la boîte, plus encore un autre sac par-dessus. Donc, franchement, nickel. Alors, ensuite, j'ai pris ceci. Alors, excusez-moi pour le... mais ma table, elle est petite, j'ai pas une grande table. On est trois, donc j'ai pas une grande table. Alors, ceci, c'est pour les yeux. Il est où, il est où? Il est où, il est où? Voilà, c'est une crème pour les yeux, donc j'ai payé 1,79 €. Donc, il y a encore un bout de papier. En plus,
aujourd'hui il fait chaud, il fait lourd, mais il pleut, mais ça, on dirait que ça sert à rien. En plus il fait sombre, donc j'ai allumé ma lumière. Donc, moi, je regarde souvent si c'était testé sur les animaux ou pas. Et ceci, c'est pas testé sur les animaux. C'est ce que j'aime bien sur Temu, c'est qu'il y a beaucoup de produits où c'est pas testé sur les animaux. Donc, vous voyez, vous le mettez juste ici où vous avez des poches sous les yeux. Voilà, vous le mettez ici. Et après, ça diminue. Donc, voilà, je vous montre la quantité. Quand même tout ça, j'ai quand même voilà, tout ça pour 1,79€, ça va. Bon, bien sûr, on va voir combien de temps si ça dure, si ça fonctionne bien ou pas. Beau petit packaging rose bonbon, j'aime beaucoup, c'est très joli. Donc là, ils disent que faut faire attention. Faut pas l'avaler, faut laisser hors de portée des enfants. Donc la date d'expiration, 3 ans. Voilà. Ici, c'est marqué. Date d'expiration, 3 ans. Donc en 3 ans, je pense que je vais utiliser assez longtemps, quoi. Et vous avez même au-dessus, ça c'est bien. Voilà, vous avez la date du début et la date de fin. Donc elle va finir en 2026. Donc j'ai largement le temps de tout utiliser. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si ça a enlevé des poches fatiguées, des serres, fait ça, tout. On verra bien, je vais tester et je vous dirai. Ensuite, j'ai pris ceci parce que la mienne, la brosse, elle a fait longue carrière. Donc, une brosse à cheveux démêlante. Donc, normalement, quand on l'utilise, on ne s'arrache pas les cheveux. Je l'ai payé 1,77€. Donc, pas mal. Attendez, je vais l'ouvrir. Désolée pour les oreilles, encore une fois. Il est où l'ouverture? Et c'est... C'est vrai qu'ils mettent beaucoup de sachets quand même. Bon, en même temps, tant mieux parce que. Donc, je vais vous montrer les picots. Ils sont comme ceci à l'arrière. Elle est comme ceci. Attendez, je vais la tester. Je vous dis. Parce que moi, j'ai beaucoup les cheveux bien emmêlés. Ah oui. Ah oui, ça passe tout seul. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, elle démêle très très bien. Ah, pourtant, j'en ai des nœuds. Hein. Ah ouais, magnifique. Ouais, magnifique. Ah ouais, elle enlève bien les nœuds. Ah bah, franchement, super. Moi qui galérais avec les brosses. Ah ouais, elle est vraiment très très bien. Ah bah, quand la celle-ci sera morte, hein, j'en achèterai une autre sur Temu. Hein. Donc, voici pour cette petite brosse. Ensuite, alors j'ai vu ceci. Alors ça, c'est pas mal pour jouer avec les enfants. Excusez-moi le bazar, mais ma table est petite. Donc, ceci, c'est un jeu de petits chevaux. J'ai payé 2,98€. Donc, c'est un tas. Vous en avez plusieurs après. Vous avez le jeu de l'échelle avec les serpents. Mais moi, j'ai choisi celle-ci. Vous avez les petits pions, vous avez les rouges, vous avez les jaunes, vous avez des verts et un petit dé. Donc, c'est en tissu. Mais c'est vraiment pratique si vous en voulez emmener un jeu avec vos enfants. C'est parfait. Franchement, ça prend pas de place. Donc, bon, après, bon, voilà, là, il faut bien la plaintir parce que, bon, je vais recevoir le colis, donc, voilà.
Voilà, vous mettez votre pion. Un 6. Excusez-moi, 2 minutes. Je vous mets ça. Donc, excusez-moi, quelqu'un sonne à ma porte. Donc, je vous ai dit, voilà, c'est petit, c'est pratique. Vous avez les pions, les petits dés. Et vous jouez ça avec vos enfants. C'est parfait pour les vacances. Mais là, il faut que je le remets vraiment à plat parce que il n'est pas si droit que ça. Ensuite, j'ai repris, évidemment, mes faux vernis, comme j'appelle. Donc, ils sont parfaits. Moi, en plus, je mets du vernis blanc en haut et ils tiennent. Là, ça va faire déjà 2 semaines. Voilà. Ils sont plus très, très beaux, mais quand même, ils tiennent encore. Vous voyez, même 2 semaines, hein. Donc, et en plus, la petite lime qui est avec, ça, c'est génial. Et j'ai payé 58 centimes. Donc, c'est rien du tout. Vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Ensuite, ça, c'est déjà vu et déjà vu et déjà revu. C'est une étagère. Beaucoup de monde l'a déjà acheté. Hein. Voilà. Vous avez un collant qui est ici. Le deuxième collant qui est ici. Voilà. Donc après, vous mettez les petits bonhommes dans le bon sens, évidemment. Ici, ça va se coller ici. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. Et ça, c'est connu. Hein. C'est déjà vu plein de fois. C'est déjà vu plein de fois. Donc voilà, donc j'en ai pris 2. Voilà, j'ai pris 2. Donc pour les 2, j'ai payé 2,38 €. Donc ça va, mais c'est connu, hein, vous avez... Il y en a plein qui en ont déjà acheté. Vous avez déjà vu plein plusieurs fois. Moi, tout ce que j'ai peur, j'espère que ça va pas se décoller et que ça va faire tout tomber quand je vais poser mes choses dessus. Parce que si ça fait la même chose. Oui. Donc voilà, je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense vraiment ou pas. Donc il nous reste 4 petites choses et après ça sera fini. Alors, j'avais acheté aussi un ensemble de bijoux loup. J'avais payé 2,24 €. Donc ça, un ensemble pour aller avec mon t-shirt. Donc une protection. Une autre protection. Alors, ceci c'est le collier. Donc, voilà. C'est un ensemble complètement. Et l'ensemble, j'ai payé 2,24 €. C'est vraiment pas cher. J'ai la chaîne avec. Ensuite, j'ai les boucles d'oreilles avec, plus avec le fermoir en plus, je vois ça. Hop. Mais je crois que je perds le fermoir. Je vais directement les attacher parce que sinon, je vais les perdre. Donc voilà, vous avez... Le fermoir avec. C'est vraiment trop belle. Donc vous avez d'autres aussi. Attendez, je vais le récupérer parce que si je le perds, c'est foutu. Hop. Elle est quand même assez longue la vidéo. Donc voilà, je vous remets les 2 côte à côte. Voilà. Ils sont vraiment trop mignons. Hop. Et ensuite, c'est le bracelet qui va avec. Donc, il est comme ça. Donc là, hop. Voilà. Trop beau. C'est trop joli. Hop. Hop. On va le décaler ici. Donc, plus que 2, 3.
Ensuite, j'ai ce collier-là. C'est de Luce. C'est une lune brillante. Donc, j'ai payé 1,09€. Donc, en fait, dans la nuit, elle change de couleur. Elle devient bleue. Donc, vous la laissez par rapport à la lumière du jour. Donc, attendez. La chaîne. C'est une lune. Pardon. Hop. C'est une lune avec un cœur au milieu. Et le cœur, c'est là où ça s'allume. Donc, j'ai pas payé cher. J'avais payé 1,09€. Ils sont jolis, franchement, pour le prix, c'est pas cher et vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Surtout quand vous avez un petit portefeuille comme le mien. Voilà, vous voulez vous faire plaisir, c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'est un correcteur. Je l'ai payé 1,34€. Le correcteur. Donc, mignon petit packaging. Hop. Hop. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris la teinte 2. Parce que moi, j'ai la peau très, 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 très blanche. Donc, voilà. Je vais vous l'ouvrir pour me faire montrer. Elle est comme... un genre de stick à lèvres. Ça va, ils sont bons. Il y a une bonne odeur. Et ce que j'aime bien, c'est pas tester sur les animaux. Donc, c'est parfait. Et enfin, le dernier. Le dernier. Donc, c'est comme ceci. Donc... c'est une peinture. En plus, ils ont mis du scotch. Alors, ça, c'est ballot. Pour retrouver l'ouverture, ça va pas être facile. Attendez, hein, je cherche l'ouverture, mais là, c'est tellement bien. Ah, j'ai réussi. Hop! Donc, c'est en tissu. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la Vierge Marie. Elle est vraiment très, très jolie. C'est une 30, c'est une 30 par 40, hein, la photo. Elle est vraiment très, très jolie. Et je sais plus si je vous l'ai dit. Ah ouais, j'ai payé 3,78€. Voilà. Donc, j'espère que ce petit haul Temu vous a plu. Donc, comme je vous ai dit, j'attends une autre commande. Donc, normalement, elle va arriver vers la fin du mois. S'il n'y a pas de vol dans ma boîte aux lettres. Voilà, si vous avez des commentaires ou autres questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir. Avec tout ce que j'ai acheté, je vais vous dire dans la prochaine vidéo si c'est nul. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un autre haul Temu. Au revoir tout le monde.